Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des œufs brouillés avec du faux gras et du cerfeuil. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette du jour. On a ici 4 beaux œufs, du faux gras, du cerfeuil, de la crème, des champignons, un petit peu de beurre. Alors, pour faire des œufs brouillés, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un morceau de beurre, 4 œufs. Mon beurre est en train de fondre, mais il va doucement, hein. On le voit ici, hein. Il me reste encore un morceau. Regardez, si je le frotte, hein, ça ne fond pas tout de suite, hein. Donc, j'amène à température ma casserole tout doucement. Maintenant, je vais monter à 4. Je verse mes œufs dedans. Une fois que j'ai versé les œufs, tout de suite, regardez. Hein, hop, je perce les jaunes. Et puis, je commence à fouetter. Quand les œufs vont commencer à chauffer, ils vont déjà se liquéfier. Ça, ça va être le premier témoin de chaleur. Et à ce moment-là, on n'oublie pas, bien sûr, c'est pour ça qu'on prend un fouet aussi qui a cette forme-là. On passe sur les bords de la casserole. Et regardez, on continue à fouetter. Vous voyez que je passe, voilà, je fais bouger et ma casserole et mon angle de fouet, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc, à partir du moment où ça fume, surtout ne montez pas la température en se disant « je vais chauffer plus, ça va aller plus vite ». Non, vous allez les rater. Donc, doucement. Voilà, donc, regardez un petit peu. Quand ça commence à prendre, ce que je fais, c'est que en général, je coupe mon induction parce que j'ai normalement assez de chaleur résiduelle dans la casserole. Regardez, ça commence à s'épaissir. Hein, la petite mousse disparaît. On sent au bout du fouet que ça résiste. Là, on commence à avoir la texture des œufs brouillés, mais on les a très fins. Hein. Et alors, on va pouvoir stopper la cuisson avec un petit peu de crème. Hop, voilà, et hors du feu, on stoppe la cuisson. Sel, un petit peu de poivre. Regardez la texture, et là, on va verser nos œufs. Hop, et puis nos champignons. On va terminer ici avec cette petite verdure à côté. Vous avez maintenant de nouveau une idée qui est quand même relativement simple, si ce n'est de bien faire attention à la cuisson des œufs. Et une idée simple, surtout pour accompagner en plus avec du faux gras. Donc nous, on attend vos inspirations, vos recettes que vous prenez en photo, que vous nous décrivez correctement. Vous nous les envoyez, on les partagera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Thank you.